Salut tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui j'avais envie de tester un jeu qui vient tout fraîchement de sortir, The Escapist The Walking Dead. Alors il y a sûrement certains d'entre vous qui connaissent le jeu The Escapist déjà de base, un jeu qui avait pas mal fait parler de lui. Et donc là on se retrouve sur la version The Walking Dead. Allez c'est parti, on lance ça. Après avoir été blessé par balle dans une fusillade, Rick Grimes se réveille dans un endroit qui ne lui est pas familier. Faisant face à un adversaire la gâchette facile, le chef de la police Rick Grimes et son partenaire Shane... J'ai même pas eu le temps de tout lire. Ok d'accord. Ce n'est pas bon, couvre-moi. Ça sent le roussi déjà. Donc ce que j'ai pas eu le temps de vous dire tout à l'heure en fait, c'est que le jeu est basé apparemment sur la série The Walking Dead des comics, donc c'est-à-dire des BD. C'est des comics qu'on dit ou des cosmiques? Je sais plus. Bref, passons. A l'aide, faites marcher Rick jusqu'à son bureau. Quand il se tient près du bureau, appuyez sur A pour l'ouvrir et prendre tous les objets. Alors déjà, jouer avec la petite manette Xbox. Ça c'est plutôt cool. Ok. Donc alors je vous dis, c'est la première fois que je démarre un jeu The Escapist hein. Oh, excellent les bruitages, pas mal. J'ai pas joué à celui d'avant. Alors je sais qu'il y avait c'est un peu comme la série aussi, je crois, comment qu'on appelle ça, Escape the Prison ou Prison Architect, quelque chose dans le genre. Peut-être vous me le direz dans les commentaires, je sais qu'il y a un jeu comme ça. Ou c'est qu'on doit s'échapper d'une prison. Bah, c'est peut-être The Escapist The Prison, je sais pas. Bref, moi... Oh, il y a un sac là. C'est la première fois que j'essaye ce genre de jeu. Volume 1, passé décomposé. Alors je vous avouerai que graphiquement, bon bah... ça fait penser à la Game Boy Color un petit peu. Mais bon, après tout, hey, comme on dit, il n'y a pas que les graphiques qui comptent dans les jeux. Savon. Ah, excellent. On va pouvoir se laver, c'est bien ça. Je me sentirais bien plus en sécurité avec une arme. Appuyez sur A pour utiliser votre objet. Ah, ok, d'accord. Ah, yes. D'accord. Faut que je prenne ça. Ça. Ok. Très bien. Avec un chiffon et du savon, je fais une matraque improvisée. Comment je fais pour taper? Ah ok d'accord, yes. D'accord. Donc ouais, c'est de la totale découverte hein. Les gens Ding. Ah j'ai pris l'ascenseur. Oh trop bien. Bah, j'ai pris l'ascenseur mais j'ai l'impression que je suis au même étage. Ah c'est peut-être que l'ascenseur est hors service du coup. A l'aide, ok d'accord. Alors le principe du jeu hein, ça va être aussi de faire évoluer son personnage. Fabrication, profil, voyez, regardez, force 100, vitesse 100, intelligence 50. Il y a, voilà, il y a un petit côté level up quoi. Donc ça c'est plutôt sympa. Allez, des touches LB, mettez en surbrillance l'icône située à gauche. Ah, ok, d'accord. Très bien. Tiens. Salopard. Je peux peut-être sortir par la ventilation. Ok, lime, ouais. Oh, c'est quoi ça? Ah, yes. Ok, d'accord. Allez, c'est parti. Ok, d'accord, donc, ouais. Cutter fragile. Alors à l'aide machin. Ah ouais ok d'accord. Donc là, voilà, là il va couper le truc de la ventilation. Et je suppose que je vais pouvoir monter dedans. Oh, il y a un sac là. Ça c'est pas mal. Un sac dans la ventilation. Un volume 2, cette vie derrière nous. Je prends. Très bien. Alors vous m'excuserez si je parle un peu du nez, hein, c'est parce qu'en ce moment je suis assez malade. J'arrête pas de renifler et tout, ça s'entendra peut-être dans la vidéo. Sûrement même. Vous m'en excuserez par avance. Un sac. Volume 3, voyons. Bah, c'est quoi, il y en a de la lecture dans le jeu là. Attends, je viens d'où? Je viens d'en haut moi, ouais. Ok. Que s'est-il passé ici? D'accord. Très bien.
Je me casse. Je me... Oh, putain de merde. Merde, merde, merde. D'accord. Tac, 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 ça... Pour tout vous dire, je l'avais déjà vu dans une vidéo. Oui, parce que je me suis quand même renseigné un petit peu sur le jeu avant de le prendre. On prend pas non plus n'importe quoi. Ok, j'ai un flingue. Attends, RT. C'est quoi RT? Eh ben RT, c'est ça? Ah non, LT maintenant. LT, RT. Ah d'accord. LT pour viser et RT pour tirer. D'accord. Oh yes, ok. Voilà, il est mort. Allez, d'or, sélectionnez le pistolet dedans. Appuyez, dégainez votre arme. Une fois ciblé, verrouillez le main. Ok, d'accord. Ah oui, on peut... Ouais, on peut alterner les cibles. Et comment je fais là? J'appuie sur... Oh. J'ai peut-être raté un truc. Ok, mais comment que je fais là? Je suis déjà bloqué. Attendez. Oh! Ah, fallait le dire! Fallait que j'appuie plusieurs fois! Ah, qu'est-ce que j'en savais, moi? Ah, bah d'accord! Maintenant, je le saurai! Vous voyez, j'ai déjà failli rester coincé 3 heures là-dessus! Allez, ça, ça dégage! Ah, et par contre, je voudrais bien qu'il enlève l'écran là! Ce serait pas mal! L'écran, les écritures sur l'écran, quoi. Allez, ça dégage. Eh, le pistolet n'a pas tellement une bonne cadence. Peut-être que ça s'améliorera par la suite, je sais pas du tout. Alors, sac. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Un livre. Oui, j'ai trouvé volume 4, Amour et mort. Eh bien, magnifique. Oh! Ça y est? Après son premier contact avec les morts-vivants, Rick, désorienté et effrayé, continue de marcher d'un pas lourd. Ouais. Pour l'instant, c'est un petit peu comme dans la série, hein, le film. Nous y voilà! Rick! Papa! Oui! J'étais tellement inquiète pour toi. Après avoir rencontré un étranger nommé Glenn qui l'invite dans son camp, Rick est stupéfait lorsque, contre toute attente, il se trouve réuni avec sa femme, Laurie et son fils. Mais j'ai pas le temps de lire! Pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est comme un petit peu la série du film. Hein. Moi, j'ai suivi la série quand même. Et c'est pareil, hein, Glenn, Laurie, machin, plus ou moins quoi. Ah oui, parce que regardez, il y a plusieurs maps en fait. On a découvert la deuxième map. Ferme familiale des Green. Après Cotis a tiré accidentellement sur Carl. Voilà, Carl, le fils de Rick. Il les guide vers la ferme familiale des Green, où il espère qu'Herschel, vétérinaire, pourra sauver Carl. C'est exactement comme le film, les gars. Comme le film. Enfin, comme la série. Et donc, du coup, je crois que celui d'avant, bah, j'ai trouvé les 4 BD. Hein. Voilà, on l'a torché à fond, le niveau d'avant. Allez, bah, on va se lancer celui-là. Après son déployé sur sa capacité à tirer vraiment bien, Rick décide d'autoriser son fils Carl à se joindre à lui et Tyrese pour une... Mais ça passe tellement vite, les écritures. Je crois qu'il y a quelque chose devant nous. S'il vous plaît, ne tirez pas, c'était un accident, je le jure. Pas mal la petite musique. Rick, j'espère que vous avez quand même pu vous reposer malgré la situation. Mais je veux que vous sachiez que Carl est entre de bonnes mains. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir. Otis m'a assuré que ce n'était qu'un accident et je le crois. J'espère que vous le pouvez aussi. Quand vous êtes réveillé, vous devriez participer au comptage et garder le moral des survivants au top. Je viendrai vous voir... plus tard, Rick, Herschel Green. Ok. Donc Herschel, c'est vrai que c'est le propriétaire de la ferme, dans la série en tout cas. Moi, c'est comme ça que je m'en souviens. Non, bah non, c'est fini, on va pas se reposer tout le temps. Ah, mais j'ai du temps en plus. Non? Dénombrement du matin, jour 1. Ah, ok, d'accord. C'est qu'il y a un cycle jour et nuit, je pense. D'accord. Ah bah oui, ça me dit où faut que j'aille en fait. Ah mais attendez, ça me dit où faut que j'aille, mais... Il y a peut-être des trucs à fouiller, non? Non. Menace! Le niveau de menace des marcheurs est affiché en haut à droite de l'écran.
0%. La menace grandit à chaque fois que vous manquez une routine quotidienne ou lorsque Rick se fait assommer et n'est plus en mesure de remplir son rôle. Un niveau de menace plus élevé signifie que les marcheurs ont plus de chances de pénétrer à l'intérieur de vos quartiers. Répartissez votre temps entre les différentes routines quotidiennes de manière à maintenir le niveau de menace le plus bas possible. D'accord, Ah ouais, ok, d'accord, j'ai pas d'armes. D'accord, d'accord, je pense que... on va se casser de là. Oh, sac à dos. Merde, comment je fais pour aller là-bas? Ah merde, 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 merde. Ok. À mon avis, faut peut-être passer par en haut. Ah mais les gars, je rentre par où là-dedans moi? Non non, dégage toi. Ah. Ok, c'est le jour. Il y a des moments dans la journée où vous n'avez pas de tâches quotidiennes à accomplir. J'ai pas eu le temps de lire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Les gars, mais je suis complètement... De quoi j'ai trouvé quelque chose? J'ai trouvé quoi? C'est ça que j'ai trouvé? Dégage! Bon, je vais essayer de me casser de là. Peut-être essayer de monter en haut. Ah, ah, ouais. Il y a une porte, là. Ouais, ok, mais il n'y a rien du tout. Mais arrête! Dégage! Oh, un sac à dos! Oh, yes! Allez, allez, ouvre-le. Oh! Patron de confection pour pistolet, modifié. Ressort, lime, pistolet. Ok, d'accord. Un pistolet à la cadence de tir relativement élevée avec un bon pouvoir d'arrêt. Ah, ça, c'est bien, ça. Ok, yes. Donc... attends. Attends. Mission... d'accord. En fait, ça doit être un plan que j'ai trouvé. Lâche-moi, toi. Ça doit être un plan que j'ai trouvé, en fait. Là, j'ai vu un sac direct. Quota de travail? J'aurai jamais le temps! Attendez, sauf si... et si je les attire à l'extérieur? Hein? Je vais essayer de retourner là-bas. Dégage, dégage, dégage! Je vais essayer de l'attirer par là. C'est bon. Allez. Oh yes. Un flingue. Ça c'est cool. Ok d'accord. Autant avant j'avais des munitions illimitées. Autant maintenant j'ai pas l'impression. Position de la laverie, tâche de groupe jour 1. Terminer le travail. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Laverie. Putain ouais, les munitions sont pas illimitées. Et comment je fais pour entrer là-dedans moi? Je vais essayer de faire le tour. Ah bah attendez. Assister au déjeuner. Eh mais j'ai... en fait j'ai rien fait encore. Assister au déjeuner. Yes, c'est là. J'y vais. Ok. Tâche quotidienne. En tant que chef du groupe, contenez la menace de marcheurs en n'oubliant pas de compter les présents, assister au repas, accomplir les tâches domestiques. N'oubliez pas, gardez comme priorité parmi ces routines quotidiennes de prendre soin de vos compagnons survivants et de maintenir les marcheurs hors de vos quartiers. Suivez la flèche rouge en direction de chaque routine. D'accord, le déjeuner, ça a l'air d'être bon. Salle de sport. Vous pouvez améliorer la force de Rick. Ah, pas mal. Ce qui améliore sa santé et la rapidité de ses attaques, le rendant beaucoup plus efficace en situation de combat. Ouais, ça y est. Je fais du sport, là. Je crois que c'est bon. Hein. Mener Rick au chevet de Karl. Allez, vas-y, on va aller faire ça. Allez. Il y a quelque chose que je puisse faire pour aider Herschel. Votre garçon doit être opéré maintenant, Rick. Je vais besoin de vous me récupérer des objets. Je galère un peu, là. Comme dans le film. Enfin, comme dans la série, plutôt. Je vais aller chercher ça. Hop. Quoi? Ah oui, ok, d'accord. Ah ouais? Et comment je fais, là? Comment je fais avec ça, moi? Ah, je peux pas passer avec le bureau. Vas-y, vas-y, vas-y. Les morts, qu'entendez-vous par les morts? Mais... eh, les gars! Comment je fais, moi, avec ça? Combat, Herschel. J'arrive. J'arrive, j'arrive, il est où? Putain, il est mourant, il est en train de se faire attaquer. Eh, quelle idée aussi de sortir, là. Où est-ce qu'il est? Il est là. Dégage.
Attends, j'arrive, Herschel. Je prends d'abord ce qu'il y a dans le sac. Équiper des armes de mêlée. Ah ben, ça c'est pas mal ça. Ça c'est bon ça. Ok, j'ai ramassé un plan pour fabriquer un hachoir. Donc ça, c'est plutôt cool. Je me sens si faible, je dois aller me reposer. Bah vas-y, attends, je vais chercher le sac d'abord. Un pistolet. Très bien. Voilà, bon bah je suis retourné dans la baraque là. Et maintenant, il faut que je fasse quoi avec ça? Ah. Mais non, mais il est sérieux. Il l'a pas fait tout à l'heure hein. D'accord. J'ai plus de place. Je vais essayer de virer des trucs. Je vais pas trop avoir le choix. Bon, alors je ne sais absolument pas comment... Comment prendre tout ça et comment enlever mes... Hé hey. On pourrait faire une musique. Bon bah merde, mais comment que je fais sinon là? Attends, c'est dingue ça. Ah yes, c'est bon. Je vais virer... Voilà, j'ai viré un flingue. Voilà, donc il me faut... Utilise des outils pour équiper des objets, mettez-les en surbrillance dans votre inventaire. Ok. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Ça. Une pile. Je vais laisser la caisse de munitions. Je vais prendre l'oreiller. Voilà. Oh merde, l'autre il a besoin d'un bandage quoi. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Quelle idée de sortir comme ça aussi là. J'arrive, j'arrive. Ah bah non, mais j'ai plus de place là, j'ai plus de place. Pfff. Bah ils sont sérieux, mais comment je fais moi? Bon bah écoute, je vais laisser mon flingue dans le coffre. Je vais prendre les bandages. Voilà, et je vais y ramener ça. Quoi? Ah bah il faut les médicaments maintenant. Attendez, je crois que j'ai pas tout compris là. Ah si, je viens de comprendre. J'en ai beaucoup trop ramassé sur moi en fait. Faut juste que je ramasse l'essentiel à chaque fois. J'arrive, j'arrive. Tiens bon, Karl. D'accord. Ok, donc là faut que je ramasse le machin. Donc je vais laisser l'oreiller. Et je ramasse ça. Hé, hey, voyez. Ça y est, j'ai compris là. Je viens de comprendre. Appuyer sur O pour fabriquer quelque chose d'utile. D'accord. Oh yes. Un kit opératoire, super. J'arrive. Attends, il y a lui déjà. Oh merde. Je suis en train de faire de la musique. Allez, dégage. Oh, je vais crever. Oh, je suis mort. Oh, je suis dégoûté quoi, je suis mort. Et faut tout... Attendez, faut tout recommencer ou quoi là? Non, ça c'est Maggie ça. Qu'est-ce que tu me dis toi? Ah bah tiens! Voilà! Recruter les survivants! Une icône apparaît au-dessus des survivants ayant un moral élevé lorsque vous tenez à côté d'eux. Bah, viens! Ah bah non, oui, ok Rick, allons-y, bah viens! On va aller opérer Karl. Ah bah ça c'est bien, voyez-vous ça? Ça, je savais pas. Non, le sac à dos, on ira plus tard. D'abord, allons opérer Karl. J'arrive, mon fils. Ok. Je crois que je l'ai. Oh, c'est quoi ces bruits? Tenez-le tranquille. Ah, ok, il a retiré la balle en fait. J'ai retiré la balle et arrêté l'hémorragie. Super. La grange, ce n'est pas un lieu que vous aurez. Ok, d'accord. Bon, je vais te laisser là, Herschel. Ok, d'accord. Maintenant, faut que j'aille à la grange. En tout cas, bien sympathique, ce petit jeu. C'est vite prenant, hein. Merde, Herschel qui se fait attaquer. C'est dans la grange que nous gardons tous les morts. Les morts? Qu'entendez-vous par les morts? Les morts, ceux qui causent tous ces soucis. Ouais, je pensais pas que je me serais pris sur un jeu aussi pixelisé, quoi. Le principe est vachement bien. Vous pouvez équiper les survivants avec des armes et armures. Tenez-vous près d'un survivant et puissant à touche Y pour ouvrir son inventaire. Merde, merde, merde. Oh, putain. Chaud. Allez, viens là. D'accord, par contre, c'est ultra chaud. Je suis déjà mort. Bon, bah, ok, disons qu'on va s'arrêter là pour cet épisode sur The Escapist The Walking Dead. En tout cas, le jeu est vachement sympa à jouer. Le principe est bien. Ça reprend un peu la série télévisée.
C'est plutôt sympa. Tiens, il y a déjà Tyrese qui se fait attaquer. Eh ben, qu'est-ce que tu veux? Il se débrouillera. Voilà, donc sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. J'espère vous avoir fait un peu apprécier le jeu. En tout cas, moi, j'aime bien. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que l'aventure se continue avec Rick. Et on se fera ça tous ensemble. Ça pourrait être cool. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et ciao tout le monde.